Méditation, naissance christique en soi. Vous vous placez dans une posture confortable, favorable à la détente, à la méditation. Les paupières closes, mains posées sur les cuisses, paumes tournées vers le haut. Vous prenez conscience du va-et-vient de votre respiration. Vous laissant bercer par le rythme de votre souffle dans les voies respiratoires. Puis vous imaginez, vous visualisez une bulle de couleur bleu indigo qui descend depuis le haut du ciel vers vous. Bientôt, cette bulle bleu indigo se rapproche de vous en se plaçant juste au-dessus de votre tête. Cette bulle bleu indigo rayonne vers votre tête un rayonnement indigo d'apaisement et de relaxation profonde. Voyez cela, sentez cela. Puis le rayonnement bleu indigo descend sur votre cou et vos épaules, les détendant en profondeur. Et il se produit bientôt la même chose pour vos bras et vos mains. Bientôt, il en est de même pour votre poitrine, votre ventre, tout le dos. Puis la vibration bleu indigo descend dans vos jambes jusqu'aux pieds. Maintenant, vous visualisez sur votre écran mental la scène suivante. Un chemin caillouteux dans un paysage semi-désertique. C'est la fin du jour et le soleil vient de se coucher à l'horizon. Le ciel est d'un beau bleu indigo, limpide comme du velours. Les premières étoiles viennent d'apparaître, elles vous apparaissent si proches avec un ciel si pur que vous avez l'impression de pouvoir toucher ces étoiles. Au loin, dans le ciel,
Une étoile brille plus que les autres et elle semble se déplacer. Vous décidez de suivre cette étoile. Vous marchez sur ce chemin rocailleux, tandis qu'une certaine fraîcheur s'installe dans l'atmosphère mystique de la nuit moyenne orientale. Vous continuez de suivre cette étoile qui semble se diriger dans une direction précise. Puis, au loin, vous apercevez la lumière de ce qui semble être une grange. Vous vous apercevez que l'étoile semble s'arrêter juste au-dessus de cette grange. Vous vous dirigez alors vers cette grange. Bientôt, vous vous retrouvez devant l'entrée d'une étable toute simple. De cet endroit émane une grande lumière. Attiré par cette lumière, vous pénétrez à l'intérieur. Là, au milieu de l'étable, un nouveau-né est allongé dans un berceau de paille. Marie et Joseph l'entourent de leur amour bienveillant. D'autres personnages sont présents, contemplant ce nouveau-né à l'aura flamboyante. Une lumière intense et douce à la fois. Au fur et à mesure que vous contemplez cette lumière, comme en écho, une lumière éclot au centre de votre poitrine, là où se trouve votre chakra du cœur. Cette lumière brille de plus en plus au centre de votre poitrine. C'est un rayonnement d'amour christique. Ressentez la compassion, la chaleur qui se développe dans tout votre être. Voyez cela, vivez cela. Ressentez, voyez l'enfant divin qui s'est développé en l'âme de Marie. Et au fur et à mesure que vous contemplez l'enfant divin porté par Marie, vous sentez naître en votre chakra du cœur l'amour christique pour tous les êtres. Voyez cela, sentez cela.
Prenez conscience de la naissance christique qui est en train de s'opérer en vous. Voyez cela, vivez cela. Cette lumière christique qui s'est développée dans votre chakra du cœur, vous la rayonnez tout autour de vous et elle gagne de proche en proche tous les cœurs. Constituant ainsi la communion des âmes dans le corps mystique du Christ, voyez cela, sentez cela. Puis votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous reprenez bien conscience de la posture de votre corps physique. Ces images s'effacent progressivement, mais cette conscience nouvelle se maintient en votre chakra du cœur, comme une plante en croissance perpétuelle. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. La méditation est terminée et vous ouvrez les yeux quand vous voulez.